Ouais, ça va, yo tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va faire. On va aller retourner voir l'église bizarroïde là-bas. Là. En fait, j'avais déjà fait une vidéo, mais je l'ai supprimée. Fait que peut-être que je vais la remettre si je suis capable. Parce que là, je peux pas rentrer chez ma tante à cause de. C'est pas ta frère, là. Mais là, on va voir si elle a aménagé de quoi dedans. Enfin, on va juste voir si le gars il est vraiment innocent ou pas. Si il a fait de quoi avec ou s'il l'a laissé en état dégueulasse de même. Fait qu'on va aller fouiner en cours, là. On va aller voir dans le presbytère, voir si j'ai encore ma clé dedans. Là. Parce que la dernière fois, j'ai déjà monté dans le clocher. Mais il n'y avait rien. Rien. Ok, c'est parti, on fait la partie 2. Donc on va descendre de même. On va s'en aller. Là, faut pas chier les voitures parce qu'il y a des plaques d'immatriculation ici. Ma tante est tellement loin que je la vois même plus. Que... Mais non, je blague. Il n'y a rien de moi. Allez! Ok, elle est extrêmement loin, mais on va aller voir si la porte est défoncée ou pas. Puis je vais vous montrer l'endroit où ce qui passe d'habitude. Ça se peut qu'il y a quelqu'un qui a enlevé la. La dernière fois que je suis allé, il y avait une pelle. Mais, ah ben, il y a des petits pas, du monde qui sont partis par là. On va aller voir ça. Si c'est de la grosse merde ou pas. Comme vous voyez, il y a peut-être des portes ouvertes là-bas. Allez, vous connaissez, allez voir. C'est du monde qui sont BS parce que l'église est juste là. C'est proche du dépendant. Le dépendant est juste là-bas, la deuxième lumière plus loin. C'est une lumière au coin de l'église, mais la prochaine, il y a le dépendant que mon ami me disait. Allez voir si c'est bien aménagé. Ça a pas l'air d'être bien aménagé. Des cochonneries. C'est un peu de la grosse merde. Donc, viens voir ça. Il y a quelqu'un qui a défoncé la porte. Oh, tabarnak. Excusez-moi, mais c'est illégal. La personne a rentré et foutu le bas. Oh my god, il y a un moustique là. Si, bon, qu'est-ce qui arrive? Regardez ça, c'est mal entretenu, ici, hein. Ça suce. Ah oh ben tabarnak. Je vais fermer la petite porte. Oh le cave, il a frappé une... Oh le con. Bon, maintenant, ils viennent de foutre un... ils viennent de foutre une barrière. Mais la barrière, elle bloque la porte. Hein? Donc la barre de fer est... Ouais, mais quelqu'un avait voir la barre de fer est bloquée sur le chose. Donc on va aller voir s'il y a d'autres choses d'aménagement. Comme vous avez vu, il y a quelqu'un, il y a du monde qui rentre puis ils font de la chiasse. Mais en tout cas, je pense qu'elle va rester de moi mettre le bâton de fer en haut. On va voir en haut, il y a un bâton de fer à la porte. Donc on va aller voir, il y en a rien. Là. Mal entretenu, ça. C'est de la grosse mouse, t'sais. Regardez ça! De la mal entretien. Garder la porte ouverte. Ça, je dis à mon ami que ça menait peut-être en bas, mais on va aller voir ça. Je peux pas allumer le flash, mais en tout cas, c'est dégueulasse. Il y a même pas de lampe. Là, la lampe, mais on sait même pas par où. Donc, moi, je pense que ça va en bas. Dans le sous-sol. Donc. On voit rien, je vois complètement rien. Mais. Ouais, ça menait dans la petite. La porte que je vous disais dans ma vidéo de la semaine passée. Hein? Non, attends, je vais voir de quoi là aussi, j'ai de bonnes affaires. Comme vous voyez, il y a de la grosse merde. C'est pourri de gueule ici. Ouais. Si, j'ai pas envie d'avoir ici, mais ici, il y a nos portes. Sûrement que ça va être peut-être elle qui va se faire défoncer la prochaine fois. Mais en tout cas, l'autre est bien mal entretenue. Elle va être encore bien moins mal entretenue. Bon, elle m'en avait pas, mais elle est bien entretenue, elle. Mais si vous voyez, j'en avais rentré dans une autre vidéo quand c'était sourd et muet. Parce que c'était un peu de la merde. Mais, comme vous avez vu, c'est du gros caca.
Peut-être qu'on va aller voir l'autre, là, à deux clochers, peut-être qu'on va y aller. Je sais pas, mais en tout cas, le petit endroit-là, c'est un peu de la grosse merde, hein. Quelqu'un qui défonce ça, c'est un crise de gueule. Même la fenêtre ouverte, au début, elle était pas ouverte parce que l'autre porte était ouverte. Mais le gars, il a foutu le bordel. Regarde, il y a même des cannes de V8, c'est de la grosse merde. Vraiment un presbytère mal entretenu. L'église est bien entretenue. Ben, j'ai déjà rentré, c'était bien. Comme si elle avait fini puis l'emménager un peu. Je me demande si la cloche en est peut-être dans le pignet en arrière. Mais ça m'étonnerait. Hein, Thérèse? Peut-être qu'il y a une cloche dans le pignet, là, gars, on dirait qu'il y a des petites trappes d'aération. Je sais pas, on va. Vous avez vu, il y avait un gros bâton de fer qui fait chier. Le monde, ils montent comme ça, là, pour savoir que des cloches, là. Ça prend une personne qui monte, puis encore. Mais non, mais faut-tu. Là, on fait tout le grand tour, là. Ouais. OK. Mais après, on fout le camp au centre-ville. Allez, on a des. Vraiment mal entretenu ici, gars. Ben, moi, je trouve ça mal entretenu, là, mais c'est du monde qui trouve ça très entretenu. Je vous dis, vous êtes vraiment malsains, vous êtes cochons, hein. Parce que c'est de la merde. Il y a rien, ça. Hein. Ah oui, pas allumé les flashs pour la petite grange, là, minuscule. Mais ça rendait dans le sous-sol. Parce qu'on a déjà été dans le sous-sol dans les précédentes vidéos que j'avais postées, je sais pas quand. Mais que je voyais ma tante, comme je vous ai dit au début. Parce que je peux pas les poster. Mais. Très mal entretenu, regardez, il y a rien du monde qui. Il n'y a rien en dessous, il voulait juste voir qu'est-ce qu'il y avait. Il y a de la grosse merde. C'est un peu mal entretenu. Mais ça, est un peu mal entretenu. Regardez, c'est tout bossé, tu sais. Prenez-en soin. Même une poubelle jetée à terre, ça fait pas mon affaire. Hein? Il n'y a pas de fenêtre de pété. Mais qu'est-ce que vous voyez en avant de moi? Ben, j'ai monté là-dedans. De très haute qualité et c'est extrêmement haut. Ça fait peur aussi. C'est dérangeant à voir. Tu sais, vous voyez ça? Dans ma tête, c'est baisse en tabarnak, quoi, ça. Hein? Comme vous voyez, tout arraché. J'espère qu'elle sauve pas. Non, elle sauve pas. Ils l'ont très bien enlevé. Vous allez voir avec ma main. Hein? Mais prochaine vidéo, si on y retourne, on pourra voir qu'est-ce qui se passe en fait. Vous voyez, j'étais en bas moi aussi. Parce qu'il fallait que je rentre par en bas. Parce que la porte d'en haut était barrée. Donc là, j'étais dans le caca. La précédente vidéo, il fallait partir, je sais pas pourquoi, pour aller m'emmener chez la grosse folle, j'appelle. C'est pas une folle. Comme vous voyez, c'est très. 442. Des barricades aussi. Vous voyez, quand c'est de la grosse merde. Excusez. Peut-être un passage qu'on peut-être voir ensemble. Vous voyez, ça c'est le devant de l'église avec la flèche qui monte jusque ça d'en haut de là. Et moi j'ai eu peur parce que c'est haut en calice. Mais vous voyez l'échelle, regardez le petit bout de bois, vous voyez, ben c'est le deuxième étage avec du sable. Très mal entretenu le devant. Grosse brique qui vient de tomber d'en haut, très 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 mal entretenue pour cette vidéo exprès pour ça, parce que ma vidéo BMNG plus tout. Il y a même des sacs à poubelle qui viennent vendre ça ici, une fois chier la propriété. Mais le gars il s'en occupe une fois, deux fois par an. On sait même pas. De où qui prend ça? Puis deuxièmement, c'est quoi ça? On n'en sait rien.
La porte est barrée. La porte est barrée, mais il y a ça. Mais comme vous voyez ici, juste là, c'est de la merde. Tout le monde appelle ça de la merde glacée. Donc, on essaie de pas se péter la gueule. Parce que... Voilà. Comme vous voyez, les portes sont fermées. Mais c'est la place de cochon. Ma tante. On va aller faire pipi. Pendant ce temps-là, on va aller voir là. Parce qu'en fait, c'est ça le but de ma vidéo, de vous dire qu'est-ce qui se passe à Trois-Rivières. Oh non, il y a un petit peu d'eau qui est tombée dans le téléphone, mais il va correct. Pas pété, rien de ça. Gang de stupides, ils pètent des chaises. Ils font chier la propriété, comme j'appelle, ils font chier la propriété. Mais in real life, on a, c'est rien. Mais, en réel, j'ai déjà rentré dans la propriété. J'ai, comme je vous ai dit, mais... Il y a encore peut-être le sofa de pépère. Non, il n'y a plus le bal. Il y a encore des rideaux, comme si rien ne s'était passé. Aussi, il y a une police qui est juste là. Vous la voyez pas, mais moi je vois bien que c'est une police. Donc là, elle est en train de partir. On va m'entendre qu'il arrive, mais la police était là. Oh là là. Hein? Oh. Hein? Donc, c'est ça, la petite visite stupide un peu. Si on a peut-être le temps, on pourra peut-être aller voir celle au centre-ville, mais faut peut-être partir vers je sais pas quelle heure. Fait que c'est ça, abonnez-vous puis likez la vidéo pour plus de vidéos d'exploration. Bye bye!